L'État m'a donné un nom, c'est handicapé mental. Ça me fait beaucoup réfléchir par rapport au cas. Quand j'étais jeune, j'avais pas ces problèmes-là. J'étais pas si souvent malade. Depuis que j'ai 20 ans, mon état n'a fait que dégringoler, entre guillemets. J'arrive pas à remonter la pente, en fait, comment vous dire. Bah, disons que j'ai fait une dépression, en fait. Je suis tombé en dépression et je suis resté plusieurs années sans travailler. J'avais peur de sortir de la maison, j'avais peur de la foule, j'arrivais pas à être en contact avec les gens. Que j'ai des variations d'humeur que je contrôle, et puis il y a des petites piques que je contrôle pas. Alors c'est un peu plus d'émotivité, un peu plus de... Voilà, mais j'essaie de le gérer. Ma pathologie psychique, les médicaments que je peux prendre... Bon, ça entraîne des sautes d'attention qui sont très importantes, un déficit cognitif aussi. Et donc, du coup, je me suis retrouvé rapidement à avoir des difficultés sur mon poste. J'ai demandé à mon psychiatre qu'est-ce que j'avais. Il m'a dit c'est maniaco-dépressif bipolaire. Et puis, je fais avec. La dépression, je ne sais pas la définir, si ce n'est qu'on tombe bien bas et qu'on n'a plus envie de grand-chose. On est dépressif parce qu'on est malade et non pas on est malade parce qu'on est dépressif. Petit à petit, j'ai réussi à reprendre le dessus en adhérant à des groupes d'entraide mutuelle. Ensuite, j'ai fait aussi un suivi par le biais de l'hôpital de jour. Tout ça, bah, ça m'a permis petit à petit de reprendre le dessus. Ça a été dur au départ. J'avais honte. Je me disais, ouais. Vous savez, les gens, ils vous mettent vite une affichette, quoi, une étiquette. Ils se disent, ouais, il est fou, tout ça, donc c'est difficile. Mais maintenant, je l'accepte pleinement. Tant que je prends mes médicaments, ça va. Si je les prends pas, c'est sûr que je vais retomber malade, mais... Je suis suivi par un psychiatre. Et j'ai un traitement qui n'est pas lourd du tout. Et j'assume complètement ça, quoi. Toute la journée, au boulot, je bosse. Et pendant les 6 heures, je ne pense pas au quartier, ou bien au boulot, ou à la famille, aux problèmes, je n'y pense pas. Il y a un moment donné où, si on n'est pas aidé, moi j'ai 2 filles, elles ont supporté ces moments-là, mais elles m'ont aidé à remonter. Et c'est vrai qu'il a fallu beaucoup de temps pour que se mettent en place autour de moi des personnes qui peuvent m'aider. Parce qu'en fait, on est très longtemps dans le déni de la maladie. Donc on pense que tout va aller, donc c'est ce que j'ai fait au niveau de mon parcours professionnel. J'ai laissé croire qu'en fait tout allait, alors qu'en fait, ça n'allait pas. Je suis passé par des moments et des endroits que je recommande à personne. Ça m'a formé sûrement une mémoire et peut-être une façon d'appréhender la vie, de voir le passé et puis de construire un avenir différent. Comment s'en sortir? Je crois que c'est chacun par rapport à sa pathologie, à son milieu familial, à son vécu, puis surtout aux aides qu'on peut recevoir. J'ai eu beaucoup de mal à accepter la maladie, mais après, je pense que quand on arrive à accepter la maladie dont on souffre, on a gagné 80%, et après, on vit avec. C'est paradoxal, mais je vis mieux maintenant qu'avant. C'est paradoxal, mais j'ai pris conscience de beaucoup de choses, j'ai pris beaucoup de recul par rapport aux événements, et j'ai l'impression que je vis mieux qu'avant. Le seul truc que j'ai trop peur, c'est la rechute. Quand c'est si au bout de... Depuis 2005, je travaille et tout, et je retombe malade, ce sera dur pour reprendre la vie active, alors je fais tout pour ne pas tomber malade. Il y a la bonne ambiance. Non, on ne s'amuse pas, mais on travaille et c'est chaleureux. En fait, j'ai commencé en intérim dans cette société par relation, parce qu'en fait, j'avais du mal à reprendre le travail. Et donc, j'ai recommencé en intérim. Et puis finalement, j'ai été embauchée en CDD, puis en CDI. Ça fait 5 ans que je suis à la blanchisserie un peu plus, depuis octobre 2005.
Je m'occupe des commandes des vêtements, des échanges des vêtements, des échanges, des commandes, des retraits des vêtements. Voilà, je suis assez polyvalent, voilà. Je suis sur un poste d'EVS à l'école élémentaire Billon à Irigny. Je m'occupe d'accompagner un enfant qui a 9 ans, qui est autiste. Un travail qui me plaît bien. Moi, je vais le matin, comme quand j'allais au bahut, voir mes élèves pour faire la gym. Et je regarde pas l'heure quand il faut partir, quoi. Je vais tous les jours au boulot, j'arrive pas en retard. C'est pas comme une machine réglée, mais je fais tout pour que la journée se passe bien, à ne pas trop réfléchir. Et mon employeur n'est pas au courant de mes difficultés. Donc je fais face, mais en réalité, derrière, c'est bien fragile. J'aime pas trop en parler parce que ça m'affaiblit un peu. Je préfère ne pas y penser. Déjà, quand je vais chez la psy, je parle déjà de mes problèmes, elle me comprend. Et je peux pas parler avec mes collègues. Ils comprendront pas. J'aurai pas assez de respect. Ils vont toujours me juger que je suis malade, dépressif. Et... C'est une question qui s'est pas posée pour moi de lui en parler. Puisqu'en fait, c'est vrai que la frontière entre la maladie et puis le bon état de santé, je sais pas trop où elle est dans mon cas, en fait. Enfin, voilà, je veux pas qu'il change d'avis à mon égard. En fait, mes compétences sont très appréciées dans l'entreprise où je suis. Et moi, si on m'avait posé la question, j'aurais pas eu honte de le dire et j'aurais pas refusé de le dire. Ce qui m'aiderait, c'est que je sois prête à l'intérieur de moi. Enfin, comment vous dire? Qu'il y ait une maturité qui s'affirme à ce sujet pour que je puisse aller en parler à mon responsable sans crainte. Donc j'ai commencé sur des postes au téléphone comme conseiller clientèle. Donc c'était des postes qui étaient intéressants mais qui étaient usants sur le plan à la fois physique et psychologique parce que vous êtes sur des plateaux, il y a 80 personnes qui travaillent sur le plateau et donc il y a énormément de bruit. En février 2005, le médecin du travail m'a demandé d'arrêter ce type d'emploi. Je ne pourrais pas travailler dans une grande entreprise où le souci c'est la rentabilité, où la personne est sans cesse sollicitée, où la personne est sans cesse stressée. Parce que bien que ma situation soit stabilisée, je garde quand même une certaine fatigabilité. Donc, c'est pas que je suis moins performant qu'un autre, c'est que j'ai besoin d'une certaine organisation pour faire bien mon travail. C'est des aménagements de temps de travail, c'est des pauses à certains moments, c'est pouvoir récupérer. Aujourd'hui, on a aussi un outil formidable qui s'appelle l'informatique. L'informatique, ça compense des tas de choses. Mes problèmes de mémoire, j'ai mis un temps fou à faire comprendre à la direction du personnel que j'aimerais avoir Outlook. Outlook, pourquoi ? C'est un logiciel qui permet de gérer l'agenda, de gérer les tâches. Le matin, j'arrive, c'est fantastique. J'ouvre Outlook et Outlook va me dire, voilà, aujourd'hui, tu as telle tâche à faire et voilà tes rendez-vous de la journée. On a l'habitude d'avoir des ordinateurs fixes dans les entreprises. Est-ce qu'on ne peut pas laisser une personne handicapée avoir un ordinateur portable de sorte à ce qu'il n'y ait plus cette scission entre la vie privée et la vie professionnelle, qu'il puisse avoir qu'un seul agenda, par exemple, c'est tout bête, mais de pouvoir avoir ses rendez-vous médicaux, ses rendez-vous professionnels, ses tâches, c'est tout sur la même machine. J'ai vu les horaires avec lui et je préfère travailler de 6h à midi de travailler de 15h à l'après-midi parce que je trouve que c'est trop long. Parce que le matin, une fois que je suis sorti du lit, c'est en action et ne pas attendre. J'ai plaisir à aller au travail, alors qu'avant, quand j'allais dans le milieu ordinaire, c'est pas que j'avais pas plaisir, mais ça me plaisait pas. Il y a des choses qui me plaisaient pas. Et avant, que j'acceptais pas surtout les consignes et les critiques, je me braquais, alors que maintenant, j'accepte pleinement les critiques et les... Enfin, pas pleinement, mais j'accepte plus les critiques et les consignes. Et surtout, ce qui m'a permis d'avoir retrouvé confiance en moi aussi. On arrive petit à petit à reprendre le dessus. On arrive à construire. Et puis au total, 1er mai 2010, ma titularisation en tant que contrôleur du travail. Et donc aujourd'hui, je suis membre à part entière de la fonction publique. On m'a intégré dans un milieu ordinaire, sans aménagement d'horaire. Et on m'a plutôt aménagé
progressivement, un horaire de travail de plus en plus, comme disait mon patron, réactif pour la société, productif pour la société. Et au bout d'un mois, un mois et demi, et c'est peut-être cette adaptation qui a été nécessaire pour que le patron juge de mon état et de mes capacités, il m'a dit, bon, ben, maintenant tu vas travailler un peu plus, tu vas prendre le camion, tu vas te déplacer, tu vas faire des livraisons, tu vas faire des ramassages, du travail à l'extérieur. Mais si je n'avais pas chuté au mois de juin 2006, il était prêt à me donner un site en personne. C'est-à-dire prendre une machine, un camion, des produits, aller sur un site, faire le nettoyage, revenir. C'est important qu'il y ait des gens pour nous aider à tenir. Hein, d'où l'importance d'organismes d'accompagnement comme le CEFRA, comme Cap Emploi. D'où l'importance aussi des moyens qui sont mis à disposition. Bah, ce qui me plairait, c'est de travailler en équipe, en fait. Voilà. Et de voir plus d'humanité au sein des personnes qui nous managent dans l'entreprise. Voilà, une bienveillance. C'est pour lancer un défi, pour dire que la maladie, elle ne va pas me reculer. Puis pour moi, c'était un challenge un peu d'arriver à me présenter, voilà, sans trop d'hésitation. Enfin... Les personnes qui ne connaissent pas, ça fait peur, on va dire que ça fait peur. Et justement, c'est pour montrer que, ben, entre guillemets, on est normaux comme tout le monde et on peut travailler comme tout le monde. Permettre aux gens de trouver un travail adapté à leur capacité, c'est les insérer dans la société. C'est leur permettre d'être une personne comme une autre. C'est leur permettre d'être citoyen à part entière. Les instruments sont en place. On a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour intégrer les personnes handicapées. Le code du travail est très bien fait. Avec les équipes médico-sociales, avec les intervenants du Pôle emploi, du Cap emploi, des structures spécialisées, eh bien, on peut arriver à faire en sorte que la personne puisse parfaitement s'intégrer sur son poste de travail.